Salut amis de YouTube, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Avatar Frontier of Pandora, épisode 4. Pendant cet épisode, il va y avoir une découverte d'un nouveau clan, après cette petite enquête au début, petite recherche sur laquelle j'ai eu un peu de mal, hein. Je m'y suis repris il y a plusieurs fois, car c'était pas forcément évident de trouver les indices, je sais pas, il y avait quelque chose pour moi dit de pas très logique, bon bref. Mais j'y suis arrivé quand même au bout d'un moment. Écoutez, je vous dis bon visionnage, et puis comme d'habitude, si j'ai quelque chose à dire au courant de cette vidéo, j'interviendrai. Et sinon, je vous dis à tout à l'heure en fin de vidéo. Des empreintes de Navi. Je me demande si... Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Une cosse éclatée. Nor a dû passer par là. Ok, alors, Nor a quitté le QG. Il est clairement passé par là. Une cosse éclatée. Il a dû la toucher. L'odeur ! Bien sûr ! Je dois la suivre ! Priya, tu m'entends? Je cherchais Nor près des falaises, mais j'ai perdu sa trace. On dirait qu'il a traversé une rivière. Je suis sûre qu'il n'est pas bien loin. Peut-être qu'il voulait juste explorer un peu? Peut-être. Je vais continuer de grimper.
Hey, Solek. Tu es là? Je crois que Nord est dans le coin. Tu pourrais... peut-être lui parler. De ton clan. De ce qu'il ressent. Solek? Alma et moi devons aller voir un des autres camps. On n'a plus de nouvelles. Tu as l'air inquiet. Ceux qui viennent du ciel continuent de s'étendre. Tu crois qu'ils l'ont trouvé? Oui, de radio. Solek?
Que pourraient se dire nos ancêtres en nous voyant ainsi? Tu penses qu'ils auraient pitié? Qu'ils seraient tristes de ce qu'on est devenu? Nous sommes toujours des Sarentu. Teylan parle à peine notre langue. Mais c'est vrai qu'il a toujours préféré les mots humains. Alma dit que nous avons seulement besoin de toi. Alma n'est pas Na'vi! Pourquoi la RDA est revenue ici? Ils n'en ont pas fini avec Pandora. Ils veulent toujours plus. Alors il faudra se battre. Oui. Ahari l'aurait également voulu. Je t'écoute. D'autres unités de la RDA se dirigent vers eux. Vas-y. Je vais rejoindre Rignella et Teylan. On fera en sorte de protéger le QG.
Allez. Et merde. Comment ils nous ont trouvés? Aucune patrouille ne passe par ici. Ils sont à notre recherche maintenant. Oh. Ok. Ça va aller. D'accord. Écoute-moi bien. Ça va aller. Regarde. Tu as déjà vu ce genre de choses? Non. N'aie crainte. C'est facile. D'autres vont bientôt arriver. Il faut que je le stabilise. Alors fais vite. Il y a une raffinerie un peu plus loin. Je vais essayer d'attirer la RDA là-bas. Ne les laisse pas approcher d'Alma et d'Adjir. C'est bon, tu vas y arriver. Je reviens vite.
Je pense que c'est terminé. On n'est pas encore tiré d'affaire. Agir saigne toujours. C'est grave. J'ai besoin d'une trousse de soins. Il y a des réserves pas loin. Du matériel médical, au cas où. Je vais en chercher. Tiens bon. Alma, j'ai trouvé le matériel. Je fais au plus vite. Sortlec, il y a un autre Narvi par ici. Il va m'aider. Thank you.
On l'a échappé, Ben. Il y avait beaucoup d'AMP. C'est la première fois que j'en vois autant. Ce sont les jouets préférés de Mercer. Tu as l'esprit vif. Je suis désolée de pas avoir pu t'aider. J'ai eu de l'aide. Solek a fait diversion. Et tu as vu cette navie? Les Ikran sont sans peur. Et ils protègent farouchement leurs chevaucheurs. Un scorpion de la RDA ne fait pas le poids face à eux. Navi, marcheur de rêve et Totouté. Vous combattez ceux du ciel sans aucune aide. Vous êtes courageux. C'était incroyable, la manière dont tu as détruit cette chose. Merci. Attends. Tu portes la marque. Tu es Sar Rentu. Les compteurs, les faiseurs de paix. Mon père dit que ton clan a disparu il y a des années de cela, on vous croyait tous morts. L'esprit des Sar Rentu ne s'éteint pas si facilement. J'espérais seulement trouver la résistance ici, mais... les Sar Rentu... Je suis Etua, Tsarik, de Aranae. Je connaissais ta mère. Je suis navrée. Notre maison souffre également. Ceux qui viennent du ciel nous envahissent et la terre se meurt juste sous nos pieds. Cependant, mon peuple, l'arbre maison, nous ne sommes pas des guerriers, mais la guerre est là. Mon père refuse toujours de se battre, mais il connaissait les Sar Rentu. Il vous écoutera. Il le faut. Il faut que je les ramène. Les autres, il faut qu'ils sachent ce qui s'est passé. Bien sûr, je vais t'aider avec tes blessés. Mon arbre maison n'est pas loin d'ici. Dis-leur que je t'envoie. Mais ils ne pensent pas tous comme moi, alors s'il te plaît, ne va pas dire que je t'ai... aidé. Que les courants du vent portent ton esprit. Soplek, un autre Navi est venu m'aider. Et toi, du clan Aranae, elle m'a dit de venir à leur arbre maison. Peut-être que d'autres Navi vont nous rejoindre. Ça m'étonnerait. J'ai déjà essayé. Ça s'est mal passé. Leur chef, Kaanat, m'a presque jeté dehors. Il n'est pas facile à convaincre. Il n'a pas peur de la RDA? Au contraire. Ils lui ont fait beaucoup de mal. Et il ne veut pas que son peuple souffre encore plus. Je le comprends. Les Aranae sont un clan uni, mais la guerre a créé des tensions. Beaucoup préfèrent fermer les yeux sur la vérité, mais une Sar Rentu pourrait les aider à voir.
que c'est? On dirait une Sarentou. Une Sarentou? Tu connais l'histoire? On ne peut forcer une fleur à éclore. Katnap doit apprendre à écouter. Tu crois que ces deux-là réussiront à s'entendre un jour? Peut-être qu'ils se connaissent un peu trop bien. Possible. Lorey ressemble vraiment beaucoup à sa mère. Moi, je chasse pour trouver de la viande, pas ceux qui viennent du ciel. Thank you.
Parfois, les gens ont besoin d'être guidés, poussés dans la bonne direction. Attends! Je n'en ai jamais vu comme toi avant. De quel clan es-tu? Quelle étrange vision. Et toi m'a invité ici, pour rencontrer son père. Qu'as-tu sur le visage? C'est la marque des Sarentu. Mais les Sarentu que nous connaissions n'auraient jamais défié Eiwa avec cette ferraille humaine. Je ne connais rien d'autre. Ils nous ont pris quand nous étions enfants. Ils ont pris tellement de choses. Tu es parti bien longtemps, et tu es encore jeune. Ton esprit a-t-il été façonné par les Sautouté? Ou te souviens-tu des coutumes de ton clan? Allons, veux-tu ranger cela? Le regard vif, digne des Sarentu, mais plus intense. Laisse l'arbre maison te soulager de tes fardeaux. Nous allons ajouter de la couleur à tes joues, ou à ta tenue tout du moins. Ici, tu vas renouer avec les coutumes de ton peuple. Oh, leurs histoires me manquent tellement. Ils aimaient récolter la soie, la douce odeur de la teinture, Mayantu. Kadnat, je m'occupe de la Sarentu. La pauvre enfant ne connaît rien de nos coutumes. Va. Nous parlerons quand tu seras installé. Je dois retourner parler au père des Tua, lui parler de la résistance. Plus tard, Mayantu. Il est notre Holo Ektan, le chef de notre clan. On va d'abord te nettoyer un peu. Ta vue pourrait effrayer un Ansik. Et puis, je te déconseille de lui parler de ceux qui viennent du ciel. Ils ne sont que problèmes, et Ka'nat n'aime pas les problèmes. Je vais plutôt te faire visiter. Hein? Tu veux bien? Oh, cela fait une éternité que nous n'avons pas accueilli de Sarentu. Les tiens rendaient nos vies plus intéressantes. Une fois, ils nous ont raconté l'histoire du rare rituel d'accouplement des Akrou géants. Apparemment, il peut durer des jours. Mais je te raconterai ça plus tard. Notre grand arbre renferme de nombreuses histoires. Il a vécu tant de vies, accueilli tes ancêtres, comme toi aujourd'hui. Et aucun Sarentu n'a jamais pu résister à notre danse des couleurs. Viens, viens voir mes tisserands. Koranu, mon ami, regardons ton œuvre. Magnifique soie. N'est-ce pas? Elle n'est plus aussi résistante depuis que les fleurs des Kinglor se sont fermées. Mais tu ne trouveras rien de mieux. Elle est bien plus solide que la laine de Zakrou, tu peux me croire. N'en déplaise à ces essois prétentieux. Koranu est une brillante tisserande. Elle t'aidera dans tous tes labeurs. Oui, j'ai besoin de me changer les idées. Ça fait des heures que j'y travaille. Et je ne suis pas encore satisfaite. Tu vois ça? Profite de toute cette beauté. En parlant de ça... Sa mère n'a aucun sens de l'humour. Ewa a tant pleuré qu'un grand lac... Reloun! Tu as enfin décidé de me faire l'honneur de ta présence. Et avec une Sarentu, qui plus est. Intéressant, tu ne trouves pas? Une autre âme perdue a guidé à travers les sillons rocheux de la vie. Le progrès t'attend, Sarentu. Ah, il m'en veut toujours. Si tu es futé, tu ne la laisseras pas te remplir la tête de soie et de teinture. Le goût est le cœur des Aranae. Reloun est un peu colérique,
mais c'est le meilleur cuisinier. Et il le sait. Et voici mon ami, Kitangi. Mephika, tu prends déjà la jeune Saren tout sous ton aile? Il en aurait bien besoin. Oh, regarde-moi un peu ses vêtements. Lamentable. Aussi hirsute qu'une pousse griffue. Tu n'as pas hérité de la grâce de tes ancêtres. Eux savaient comment s'habiller. Désolée, je n'ai jamais rien connu d'autre. Qu'importe, tu brilleras de nos couleurs désormais. Tu ne feras qu'un avec la forêt, ma Yantu. Notre soie te sera bien utile. Elle est doublée de peau de Sturmbeast qui te protégera des dangers du dehors. Ou te rendra au moins plus dur à digérer. Sturmbeast, cet enfant s'est chassé. Jusqu'ici, je m'en sors pas mal. Pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez, les enfants? Pensez-vous qu'on peut survivre pas mal? Itou est parti chasser. Je suis sûre qu'il saura te guider. Si tu arrives à le trouver, il y a un campement de chasse près de l'eau. Il sera là-bas. Mais ne perturbe pas sa chasse. Il en serait mécontent. Va, ma Yantu. Et chasse respectueusement pour montrer à Ka-Nat que tu sais y faire. Rien ne presse, mon enfant. Tu peux partir si tu veux, mais si tu as besoin de te reposer, reste profiter de notre magnifique récolte de soie. Aucun Aranahe ne t'en voudra. Grand-père aurait adoré ça. Je fais beaucoup d'efforts, mais les choses se passent rarement comme prévu. Solek, je suis arrivée chez les Aranae. Tu avais raison à leur sujet. Mais l'une d'eux m'a accueillie, Mephika. Elle pense que je peux impressionner Ka-Nat en lui prouvant que je sais chasser. Ils t'ont envoyé chasser? J'aurais dû t'enseigner cette aptitude. Ne t'en fais pas. Mephika m'a dit que l'un de leurs chasseurs pouvait m'apprendre. Itou. Savoir cuisiner, mais personne ne m'arrive à la cheville. Comment ces maudits sautoutés ont-ils pu faire autant de ravages? Je n'en reviens pas. C'est une recette. Tu cherches aujourd'hui.
Allez, va. Leïta. Tu es de quel clan ? As-tu vu Wuhan ? Je m'inquiète pour elle. Tu pourrais m'aider pour... Et voici qu'arrive la fin de cet épisode. On apprend des choses petit à petit, c'est fort sympathique, de la cuisine, voilà, les points de compétences à débloquer. Des crafts qui à faire certainement pour les équipements futurs. Tout que du bon quoi. Que du bon. Toujours très sympa. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, un commentaire si cela fait plaisir. Moi, ça fait très plaisir et ça soutient fortement. Donc moi, je vous dis à bientôt. Allez, à plus!